Ça revient à la fin sur une, je vais pas dire c'est un coup du sort, mais sur une action où s'il y a 3-4 mêlées refaites et derrière on prend un essai sur un petit côté. Moi, je pense qu'il faut. Il n'y a pas que du négatif sur le match, hein. Il faut retenir tout l'état d'esprit peut-être et repartir pour bien préparer Toulon parce qu'on en a besoin. Ce soir, c'est sûr que on repart avec un point, on repart pas bredouille, mais. Vu l'issue du match, c'est compliqué quoi. Ouais, ça c'est un point amer. Bah, clairement, ouais, après, c'est. Je sais pas si on maîtrisait les 4 points du début à la fin aussi. Je sais pas si on méritait aussi, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on s'est donné les moyens jusqu'au bout d'y croire. Et à la 83e, eh ben, tu repars qu'avec un point. Donc voilà. Il va falloir se remettre vite au travail parce qu'on a un mois de février assez compliqué quoi. Ouais, il y a plein de petits détails, mais c'est sûr, c'est ce qui fait aussi le haut niveau. C'est ce qui fait que, ben, au bout d'un moment, on n'aurait peut-être pas tué ce match sur des occasions un peu plus précises de notre part. Puis à la sortie, ben, Paris est toujours dans le match, il est toujours à 2-3 points de nous. Et puis à la fin, ben, il suffit d'un essai pour nous repasser devant. Et c'est ce qui s'est passé ce soir. Je pense que voilà, il faut être un peu plus tueur dans nos temps forts, on va dire. Et vous payez encore une entame compliquée, hein, 20 premières minutes où vous les laissez prendre un peu trop Ah, d'avance. ouais, bah, une faute de défense de ma part sur la mêlée. Puis derrière, c'est sûr qu'on prend un peu on prend les vagues parisiennes. De toute façon, on savait que ça allait être comme ça les 20 premières. Et ça n'a pas loupé, ben, on a pris 13-0 en 20 minutes. 10-0. 10-0 en 20 minutes. Donc, c'est sûr qu'après, pour rivaliser, encore on arrive à bien revenir quand même. Hein, on fait l'effort, mais on voit qu'à la fin, ben, on est derrière. Vu comment c'est serré le classement, malgré tout, prendre un point ici, ce que Toulouse n'a pas fait, est-ce que c'est une maigre consolation ou pas? Je sais pas, on verra. On va terminer ce mois de février parce qu'on reçoit Toulon, on ira au Racing. Donc on fera le bilan, je pense, fin février. Après la coupure des week-ends sans match avec la Coupe d'Europe. Voilà, je pense qu'il faut attendre le mois de février pour pouvoir se projeter. Après la coupure, là, tu sens que vous avez besoin encore d'un peu de match là pour retrouver le rythme que vous aviez avant la trêve? Ben non, mais je trouve qu'on était plutôt en jambes ce soir. Il y avait quand même de bonnes séquences. Après, voilà, et ça manque encore de précision. C'est ce qui nous met un peu dans le dur, quoi.